Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans cette nouvelle petite vidéo. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue aux nouveaux. Merci en tout cas de votre fidélité à tous, ça fait vraiment énormément plaisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir un petit mode pour Euro Truck Simulator 2, donc que ce soit pour la version bêta 1.46 ou la version 1.45, on se retrouve pour découvrir le Scania Tandem, donc le Scania R2009 avec sa petite remorque et ses offres de fret. On se retrouve tout de suite après la petite intro pour découvrir tout ça ensemble, ne bougez pas. Donc là les gars, on se retrouve directement dans le garage. Donc bien évidemment les amis, le mode que je vais vous présenter dans la vidéo se trouve en bas dans la description, 100% gratuit. Donc si vous souhaitez en profiter, n'hésitez pas à le télécharger. Comme vous pouvez voir, on se retrouve avec le thème de Halloween parce que nous sommes dans la période Halloween avec l'événement spécial World of Truck. Donc j'ai fait une petite vidéo, je vous invite à la voir, elle est dans la description de celle-ci. Et dans celle-là, on se retrouve pour découvrir le magnifique Scania que vous avez devant vous. Très beau véhicule avec quelques petits défauts, on ira voir ça tout à l'heure à l'extérieur. Donc les amis, ce que je vous propose pour découvrir ce petit véhicule ainsi que sa remorque, ben je vous propose une petite musique tranquillou, une petite découverte sans parole, parce qu'on n'aura pas grand chose à découvrir et on se retrouve tout de suite à l'extérieur. Thank you.
petit problème de rétro. Donc ça c'est assez dommage, et comme vous avez pu le voir aussi pendant la petite vidéo, la petite cinématique, on a des problèmes sur l'essieu directionnel arrière et l'essieu roulable, ainsi que du coup les éclairages de plaques. Donc malheureusement, ces petits problèmes vont en faire déchanter plus d'un. Après bon, si vous souhaitez en profiter, le mode franchement correctement fonctionne correctement avec un très 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 bon son, mais comme vous pouvez voir, on a un léger petit problème sur les rétros. Il reste figé. Donc pour éviter ce problème, moi j'ai trouvé une petite astuce. Donc vous pouvez mettre les rétros comme ceci, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, les rétros sont fluides, mais moi personnellement j'aime pas jouer avec les rétros supplémentaires. Donc voilà, si vous les retirez, c'est assez dommage, mais sinon le bruit reste assez correct. L'extérieur franchement est sur quelque chose d'assez qualitatif. Moi personnellement je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Tout est bien en cohésion, même les couleurs franchement elles sont vraiment belles. Niveau intérieur, on a quelques petits problèmes de détails, mais bon, c'est pas grand chose. Ici on a le petit GPS, voilà. Sympa, ça change de d'habitude. On aura ce gros volant 3 branches d'origine, et puis bah, niveau ADN, malheureusement on n'a pas grand chose, on ne pourra rien mettre, donc ça c'est vraiment un très 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 gros point faible. Mais on est quand même sur un petit mode sympa, voilà, pour histoire de rouler de temps en temps avec un petit tandem et un très 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 beau son, parce que franchement le son est vraiment très très beau. Donc là les gars, on se retrouve dans le garage, on va aller dans marché du travail, on va se rendre dans offre de fret, voilà, avec la petite remorque attachée. Et ici on va avoir, voilà, donc des petites offres de fret de chez SCS, donc saucisses, boissons, tripes d'agneau. On aura que du frigorifique, hein, comme vous pouvez voir, voilà, de la viande, des fleurs, de la glace, de la viande, du thon. Donc voilà, ça reste que du frigorifique. On aura pas mal de petites missions suivant où vous allez, où vous vous situez. Donc ça reste vraiment sympa. Malgré quelques petites erreurs, malgré quelques petits défauts, on est quand même sur un mode gratuit assez cool. Bon, malheureusement, on est quand même sur pas mal de versions de jeu, donc ce serait sympa que du coup le modeur fasse une mise à jour avec un petit correctif, surtout de tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Donc par exemple, l'essieu directionnel relevable, l'éclairage de plaque, on va avoir aussi les deux petits boutons avec un bug de texture dans la cabine, et bien évidemment on aura les rétros qui sont vraiment problématiques. Je pense que c'est l'un des plus gros problèmes avec l'essieu. Franchement ça reste assez dommage. Donc si vous souhaitez en profiter, en tout cas moi je vous mets le lien du mode en bas de la vidéo dans la description. Le son, voilà, il est vraiment magnifique. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines petites vidéos. Si vous avez aimé celle-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao.